Wo kommen Sie denn her? Kleine Stadt in Marokko, Tisnit. Ach, Marokko. Ja, viel schön, aber nix Arbeit. Sie sprechen aber schon gut Deutsch. Sind Sie schon lange hier? 2 Jahre, immer viel arbeiten. Ich habe auch viel Arbeit. Arbeit ist das halbe Leben. Alors, pas de venir pour ceux qui ne le savent pas, a été le plus grand cinéaste allemand après la guerre. Avant la guerre, c'est-à-dire avant 1933, avant Hitler, il y en a eu 3 très importants dans le cinéma mondial. C'était Lubitsch, c'était Fritz Lang et c'était Murnau. Bon. Après, il y a la guerre, évidemment, enfin, il y a l'hitlérisme. Et après la guerre, il y a quelques cinéastes allemands, bien sûr, mais enfin, c'est à partir des années 67-68 qu'à Munich, puisque, rappelez-vous, à l'époque, jusqu'en 89, l'Allemagne est coupée en deux, donc le cinéma et la capitale cinématographique en Allemagne, à ce moment-là, c'est Munich. Et autour de Fassbinder, qui est à la fois un acteur, un homme de théâtre, faisant des mises en scène de théâtre, ça marche, hein, ça ? Oui, ça marche. Faisant des mises en scène de théâtre, mais aussi écrivant des pièces de théâtre, et qui passe très vite au cinéma, mais qui continue toujours à faire du théâtre, et qui donc va autour de lui créer une véritable activité artistique très importante, dont autour de lui Werner Schröter, Daniel Schmidt, mais aussi des gens comme Herzog, etc. Donc on peut dire que c'est lui qui a véritablement restauré une grandeur du cinéma allemand. Et évidemment, son cinéma, lui, est un cinéma tout à fait passionnant. L'homme était très étonnant. Enfin, il est mort à 37 ans par excès de tout, entre autres excès de travail en particulier. Il a fait plus de 30 films. Il a écrit plus de 20 pièces. Il a joué en plus comme acteur chez d'autres metteurs en scène ou dans des pièces de théâtre ou dans des films. Bref, une activité qui est, à ma connaissance, la plus stupéfiante dans l'histoire du cinéma encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé, qui a produit autant que lui, je n'en connais pas d'autre. Alors, il est évident que c'est un cinéaste qui est né en 44. Alors, je ne sais pas très bien parce que on n'est pas sûr très précisément parce qu'il n'a jamais voulu dire très. Enfin, est-ce qu'il est né en 44, c'est-à-dire fin, au moment de la fin de la guerre, ou en 45? Mais il y a évidemment chez lui un problème très important, c'est-à-dire il est quand même de la génération des gens qui juste nés pendant à la fin de la guerre, qui pose d'emblée la question, comment a-t-on pu être hitlérien? Comment le nazisme a pu être? Donc, en tant qu'Allemand, il n'y a pas un film de Fassbinder qui évoque le moment de l'hitlérisme. Et si vous l'avez vu dans ce film, ils vont quand même, le jour du mariage, manger dans le restaurant où Hitler allait manger à Munich. Donc, et en même temps, le film, sans avoir l'air de poser la question de l'hitlérisme et du nazisme, il n'empêche que le racisme est quand même le sujet du film et traité d'une façon qu'aucun autre film au monde, à ce jour, n'est parvenu à le traiter de cette façon-là, aussi clairement. En le dépouillant, je dirais un peu comme on fait un bouillon, on prend des cubes, des morceaux de cubes, et il a mis du racisme dans chaque cube. C'est-à-dire que chaque morceau vous exprime un moment ou un morceau de racisme. Et le film, c'est une progression magnifique, très claire, toute de façon, comme vous avez pu le constater au point de vue formel,
entièrement rectiligne, entièrement carré, le rectangle. Il n'y a pour ainsi dire pas de... Enfin, il y en a quelques-unes, mais quasiment pas de cercle. Tout est droit, tout est direct, tout est fait sur l'idée d'un regard qui est faux, puisque c'est un regard entièrement imbibé d'une pensée dite raciste, mais en même temps ce regard faux est un regard vrai, car le racisme est une réalité. Donc le film est fabriqué comme ça, et donc vous débite, on peut dire, il débite en le morcelant toutes les faces possibles du racisme. Et ici, bon, c'est un racisme qui est tout à fait européen que lorsqu'il tourne le film en 73 et qui nous concerne tout autant, puisque ce racisme-là, c'est le racisme anti-arabe, anti-musulman, selon comme on voit, ou anti je sais pas quoi, bon, aucune importance. C'est comment fonctionne ce racisme dans nos sociétés. Il est évident qu'on pourrait il aurait pu travailler le racisme anti-noir, il aurait pu travailler le racisme anti-asiatique, etc. Enfin, tous les racismes possibles, ou les racismes européens, le sud contre le nord, etc. Tous les racismes sont possibles. Et en effet, chacun a ses particularités. La plupart du temps, toujours appuyé sur des idées fausses, mais qui sont tellement agréables pour de regarder l'autre selon des idées fausses, comme ça on n'a pas à se poser des questions sur soi-même. Donc le film est tout à fait parfait dans sa démonstration. C'est un film de démonstration, oui, puisque quand même, de ce point de vue-là, Fassbinder est allemand, et qu'il est très, très marqué. Il a subi quand même pas mal d'influences. Enfin, les grandes influences théâtrales sont Brecht, et le film est absolument brechtien. Brecht aurait été très content de le voir, je pense. Et en même temps, l'autre, alors, cinématographiquement parlant, le cinéaste qu'il admire par-dessus tout, c'est Douglas Sirk, qui est un Danois à la base, qui a quand même travaillé en Allemagne, qui a même travaillé un tout petit peu encore du temps de Hitler. Il a quitté l'Allemagne en 1937 et qui est ensuite allé aux États-Unis, où il a été le grand maître du mélodrame à l'américaine. Et donc l'influence mélodramatique est très importante aussi dans ce film, comme dans tous les films de Fassbinder. C'est-à-dire qu'il prend le mélo, et c'est ce qu'il fait est tout à fait remarquable, puisqu'il prend le mélo avec tout le sentimentalisme et même le lacrymal qu'implique le mélo, et en même temps le traite à la Brecht, c'est-à-dire avec un recul total, très froid. Donc vous avez ce travail qui est... dont le résultat donne tout son cinéma, qui est quand même remarquable, et en particulier dans cette période qui est déjà des années 71, 72, 73, une sorte justement de mise en question de la société allemande de ce moment-là, avec toutes les questions que pose cette société, et entre autres, en effet, l'importation des travailleurs immigrés et donc du racisme qui en a découlé comme dans tous les pays européens de la même époque, et on le sait bien aujourd'hui, on en voit les conséquences aujourd'hui encore. Donc si vous voulez, le film est très caractéristique de ces années 70-75, avec le refus de Fassbinder de traiter, en revanche, dans tout son cinéma, de traiter la partition allemande, puisqu'il est mort avant étant mort en 83, et donc il n'a pas connu la chute du mur de Berlin. Donc il est resté dans la guerre froide jusqu'à la fin de sa vie. Mais la guerre froide n'est jamais directement traitée. Donc ce qui vraiment le préoccupe le plus,
au point de vue politique, c'est comment a-t-on pu être nazi ? Comment nos parents, enfin pour lui j'entends, nos parents ont été nazis. Et c'est dit dans le film. La femme a dit, mes parents étaient nazis et moi-même j'étais, comme tous les enfants de l'époque, étaient nazis parce qu'ils étaient obligés. Donc ils étaient obligatoirement inscrits dans le nazisme. Et je trouve très très remarquable la façon dont, une fois qu'ils ont fait le voyage enfin à l'étranger, ils reviennent et d'un seul coup, pour X ou Y raison qu'on a très bien vu débiter dans le film, on a fait exprès de dire le mot débiter, toujours pour ce côté consommation, débiter dans le film, à ce moment-là, elle redevient allemande. Donc à ce moment-là, son cursus enfantin nazi remonte tranquillement, donc elle se met au niveau des autres. Et d'un seul coup, à ce moment-là, le racisme est entré dans le couple et dans la réalité du couple. Mais évidemment, s'il n'y avait pas eu ce processus mental du nazisme, on n'aurait pas. Par exemple, en France, on ne peut pas faire ce film. Parce qu'on n'a pas eu quand même. Bien sûr qu'on a eu du racisme, mais on n'a pas eu le nazisme. Quoi. Et le nazisme, ça a laissé des traces. Et c'est vrai que cette génération-là, celle de Fassbinder, c'était la première génération qui a osé dire, interroger les parents, comment avez-vous pu voilà. C'est son cinéma. Alors, ici, c'est pas directement le sujet. Mais enfin, il y est quand même. Et il est parfaitement exprimé et parfaitement connoté dans le film. Voilà déjà une première approche de ce film qui, je suppose, que beaucoup d'entre vous voyez pour la première fois. Quels sont ceux qui le voient pour la première fois ? Oui, je crois que ça peut... Et ceux qui l'aviez déjà vu ? Oui, vous n'êtes pas nombreux, c'est ça, oui. Alors, maintenant, moi je vous ai déjà donné un peu quelques voies d'approche, mais j'aimerais surtout avoir vos réactions, parce que bon, c'est un film quand même qui concerne tout le monde. Donc, comment vous l'avez ressenti ? Oui. Il n'y a pas de micro ? Si, mais pardon. Alors je suis désolée pour mon inculture parce que c'est la première fois que je vois un film de Fassbinder. C'est très bien, moi vous en avez vu. Hein. Je suis ravie d'avoir l'occasion d'avoir vu ce film, mais je ne sais pas si c'est l'apport de l'Europe et l'écroulement du mur de Berlin, mais j'ai l'impression qu'on est toujours le nazi de quelqu'un, on est toujours l'imbécile de quelqu'un, et ce qui se passe, ce qui me semble se passer dans ce film, ça va beaucoup plus loin que des souvenirs historiques ou des choses qu'on traîne malgré soi de l'extérieur et qui vous sont imposées par la société. C'est un drame de l'incommunicabilité ou la difficulté de s'approcher de quelqu'un suffisamment près pour lui dire je vous aime ou je ne vous aime pas ou je vous aime moins ou plus. Et puis en plus de ça, ce film me fait tout à fait penser, cette technique de tournage me fait tout à fait penser à ce film que j'ai vu, mais qui est complètement français, qui s'appelle Un condamné à mort s'est échappé. C'est la question du temps. Le temps est très long, les personnages sont par moments enfermés en eux-mêmes, et puis, brusquement, ils s'avancent vers l'inconnu, et ils essayent de sortir du racisme, ou de l'incompréhension, ou de leur solitude. C'est un film, c'est plus qu'un mélo, c'est une sorte de tragédie. Et il est évident que ce malheureux arabe va redevenir, va faire une rechute dans son ulcère. Dans six mois, le verdict du médecin... C'est une fin américaine retournée, c'est-à-dire c'est un happy end à l'américaine.
Mais totalement... Un peu cabossé, quand même. Archi cabossé pour l'Amérique et européanisé. C'est-à-dire que d'un seul coup, et ça, c'est tout à fait brechtien, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est au spectateur de recevoir le problème dans la gueule et à lui de les résoudre. Voilà. Ulcère ou pas ulcère. Oui, c'est... Ce qui est important dans ce que vous dites, et qui est quand même le vrai sujet du film, et ça, vous l'avez dès le premier plan. Oui. C'est-à-dire cette espèce de perspective complètement droite, à l'allemande, alors où les tables sont admirablement bien rangées, etc. Tout le monde est en ordre de marche militaire, quoi. Tout est militaire. Les couleurs sont rouges. En plus, les couleurs sont admirables. Merveilleusement kitsch. Ça, le génie, entre autres. Et ça, j'aime beaucoup ça chez certains cinéastes. Des cinéastes qui osent filmer le mauvais goût. Moi, je dirais ici, ils filment le mauvais goût Bosch. C'est vraiment le mauvais goût allemand. Ouvertement, ça y est, d'emblée, déjà dans les l'espèce de tapisserie qui est derrière elle quand elle arrive au bar, l'autre tableau dans le fond lorsqu'il danse. Enfin, le fond derrière le bar, la tapisserie, elle est assez affreuse. Et c'est admirable le moment où elle arrive, entre comme vraiment une femme de ménage, habillée en noir, gris, etc. Et cette idée, c'est là où c'est très fort. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand on l'invite à danser, elle enlève et elle a un jaune. Mais justement, la seule chose qui arrive vraiment rapidement dans ce film, c'est quand elle demande à ce que le gitan noir, cette musique, soit mise dans le jukebox. Et immédiatement, son mari se lève pour l'inviter à danser. Non, mais ça, c'est la là, fin. C'est la fin. Moi, je vous parle du début, du premier plan. Au début, il arrive... Elle se lève et d'un seul coup, elle apparaît dans cette robe profondément laide, mais profondément criante. Oui. Et criante, justement, en d'autres termes, d'emblée, tout le désir d'affect, de désir d'amour, enfin, ou dans tous les cas, d'approche affective, enfin, avec quelqu'un, est exprimé par la couleur violente de sa robe. Oui. D'un seul coup, elle est là et en effet... Le film, c'est pour ça que c'est plus que vous dites le mélo. Moi, justement, je trouve ça magnifique le mélo. Le mélo, c'est le droit de dire ouvertement ce que l'on cache toujours, c'est-à-dire la vie des sentiments, la vie des affects et le droit à l'affect, à l'existence de l'affect. Que les sociétés font tout pour que l'affect ne soit pas libre. Ah ben c'est terriblement dérangeant, effectivement. Oui. Comment ? C'est terriblement dérangeant. Et ben c'est terriblement dérangeant. C'est... Et c'est ça, le grand mélo, c'est ça. La société se venge. C'est pas pour rien que le terme de mélo est souvent donné avec un certain mépris, un certain recul. Parce que tout simplement, on ne veut pas voir ou on ne veut pas accepter ce que le mélo met en évidence, c'est-à-dire justement le sentimentalisme, peut-être excessif et quelquefois même très... Alors là, en effet, ça peut être aussi très mauvais, la question n'est pas là, mais quand on travaille le mélo dans ce sens-là, là, ça prend une force extraordinaire. Et évidemment, dans le mélo, le désir affectif implique l'autre. C'est pour ça que j'ai une très haute considération sur le mélo. Après tout, la tragédie, c'est très beau la tragédie. La tragédie, c'est le destin pèse sur vous, vous n'y pouvez rien, vous êtes là pour subir. Faites-le de façon héroïque, c'est sublime l'héroïsme, mais vous êtes là pour subir. Le mélo, c'est j'ai le droit, j'ai un droit, c'est de vivre. J'ai le droit d'aimer, j'ai le droit de pleurer, donc j'ai le droit d'éprouver. Les larmes. C'est ça, les larmes, c'est ça. C'est ce qui est interdit, les larmes. On n'a pas le droit de pleurer, surtout un homme n'a pas le droit de pleurer, etc. Donc, les larmes. Et ce qui est très beau aussi dans le mélo, c'est que ce qui compte, c'est l'autre. Ce n'est pas soi, c'est l'autre.
quel est mon rapport à l'autre ? Comment pourrais-je avoir de l'amour pour l'autre ? Comment l'autre peut avoir de l'amour pour moi ? Et le film n'est que ça. Le film est sur le problème de l'autre, au tout niveau. Déjà, l'autre en tant que racisme, l'autre en tant qu'individu, dans le couple, d'un seul coup, qui prend le pouvoir dans le couple ? Et ici, ce qui est très intéressant aussi, et en même temps culturellement, c'est une remarquable intelligence, c'est d'avoir pris quand même un monde arabe dans lequel la femme est interdite d'une certaine façon, mais dans lequel aussi la femme a un rôle extrêmement important dans le côté maternel. Donc d'un seul coup, un homme, très viril, et ça, de ce point de vue-là, Fassbinder a le courage d'aller jusqu'au bout, donc de le montrer dans toute sa nudité, etc. Enfin, en plus, avec ce moment où les deux autres femmes viennent lui tâter, d'un seul coup s'excitent devant le beau mâle, etc. Et il s'en va tellement il est profondément blessé de ce regard sur lui. Donc tout se joue sur ça dans le film. Tout se joue sur l'autre, le regard que j'ai sur l'autre. Et ce regard, est-il un regard de vérité ou au contraire, est-ce que c'est un regard que m'impose la société, etc. Et c'est pas pour rien que tout dans le film est fait sur ça. On monte dans l'escalier, immédiatement vous êtes dans la loge de la concierge, etc. Vous êtes les plans, et en particulier la façon dont Fassbinder ferme ces plans de telle façon qu'on voit les gens derrière une porte, derrière quelque chose de réduit, qui fait qu'il y a comme un second plan, comme un second regard qui permet à ce moment-là de considérer l'autre. Et donc tout le film est fait sur ce jeu de considération. Comment je suis regardé par l'autre et comment moi je regarde l'autre. Et donc à la fin, évidemment, on est dans ce moment. C'est très beau d'avoir terminé comme ça, évidemment, dans un moment de commisération. Est-ce que, dans ce moment de pitié, c'est pas seulement de la pitié, c'est enfin de l'empathie et d'une véritable affection. Et le film n'est que ça. C'est-à-dire qu'il travaille ça en permanence. D'où cette disposition indispensable qu'utilise Fassbinder pour vous, je répète, découper morceau par morceau, tranche par tranche, tous ces petits moments du regard et du jeu du regard. Bon, regardez par exemple ce moment où la nouvelle femme de ménage est arrivée, elle est yougoslave, enfin bon. Donc à ce moment-là, ça suffit. Bon. Déjà au départ, elle s'est appelée un nom polonais. Donc, comment a-t-elle pu épouser un Polonais pendant le nazisme, etc. Tout est fait sur cette espèce de jeu de regard, en effet, tel que la société voudrait vous orienter une fois pour toutes votre regard, donc avoir une pensée, donc la pensée unique, etc. Enfin, de ce point de vue-là, Fassbinder a fait un travail et une œuvre magnifique d'un très grand cinéaste, d'un très grand auteur dramatique par la même occasion, etc. Vous avez cité aussi une autre chose, vous n'êtes pas rendu compte à quel point vous étiez juste. C'est-à-dire, vous avez cité Pickpocket, si c'est Pickpocket, vous avez... Alors, quand on a la mort, je ne sais pas exactement. Bon. Oui, non, mais ce qui est important, c'est qu'il est influencé aussi par Bresson. Et Bresson, en effet, travaille. Bresson a été un des premiers à casser la narration dramatique, donc la montée dramatique. Il y a, en effet, par des plages quasiment, non seulement indépendantes les unes par rapport aux autres, mais ayant à peu près le même rythme, bon, qui impose un parler qui est ce que voulait Bresson, c'est-à-dire casser le parler théâtral pour introduire un parler complètement neutre,
des phrases dites, comme on pourrait le dire, même pas dites, débitées, des phrases débitées. Bon. Et on a beau ne pas comprendre l'allemand, il fait exactement la même chose. Il n'y a pas un dialogue qui soit dit à la manière théâtrale. Tous les dialogues sont récitatifs, c'est-à-dire d'un point de vue de représentation, théâtrale ou cinématographique, a priori c'est faux, puisque nous n'avons pas l'habitude, nous avons l'habitude justement du faux, de la façon de dire le texte au théâtre ou au cinéma. Et en revanche, des gens comme Bresson et lui, ou Brecht aussi avait commencé d'ailleurs, ont essayé de donner par un autre ton recto tono, c'est-à-dire plus d'intention, on ne joue plus les intentions, on ne joue plus une espèce de force qui monte, qui descend, donc l'espèce de graphisme comme ça, de la théâtralité. Mais au contraire, un côté neutre qui même en allemand, ça se comprend pas, on ne comprend pas le texte, mais on comprend parfaitement que ça veut être neutre. Et évidemment, ce qui l'arrange beaucoup plus, Fassbinder, c'est qu'au début, après c'est vrai, c'est moins, mais au début, le fait qu'un arabe parle mal l'allemand, donc il peut hacher davantage, et donc à ce moment-là, on obtient justement cette espèce de distance entre le parler allemand et le parler allemand par l'arabe. Et ce qui va être repris par exemple par l'épicier, parler l'allemand, etc. Ce sont des petits détails aussi qui font partie du jeu du racisme. Vous parlez pas ma langue. Ou essayez de parler ma langue. Enfin voilà, essayez de parler français. Bon, si on veut parler allemand. Enfin, on sait très bien. Comment on peut jouer sur ce registre-là lorsqu'on veut être raciste. C'est très facile. Il y a mille et une façons de le faire, ou de l'être. Oui, pardon. Registre, alors je vais vous demander juste de prendre le micro. Attends, une seconde. Bonsoir. J'aurais deux questions. La première, pourquoi on a traduit ça ? Tout le monde peut s'appeler Ali, alors que le titre du film dit en allemand, c'est la peur dévore l'âme. C'est angst, c'est même l'angoisse. L'angoisse, exactement. L'angoisse dévore l'âme, oui. Et après, une autre chose, ça m'a fait penser beaucoup à un film de Godard qui s'appelle Vivre sa vie, où chaque personnage est impliqué à vivre sa propre vie. Alors, Godard, bien sûr, est avant Fassbinder. Puisque je répète, Fassbinder commence au cinéma en 67-68. J'ai plus la date exacte. Godard, puisque vous parlez de Vivre sa vie, c'est 62. Ou 61 même, 61. Donc, là aussi, bon. Mais vous faire le jeu des influences dans l'évolution de l'art cinématographique, c'est complexe. C'est évident que Bresson influence... Bon, Rossellini joue un grand rôle dans son influence dans l'évolution du cinéma, dans la modernité. Bresson arrive, après Rossellini, quoique il a commencé pendant la guerre, mais malgré tout, c'est surtout après, et en même temps, il impose quelque chose de nouveau. Godard et bien d'autres sont influencés par Bresson. Arrive Fassbinder, il est influencé par la Nouvelle Vague, donc par Godard, etc. Il y a un relais de jeux d'influence, et ensuite, par exemple, Godard, etc., influence les Américains avec Coppola, etc., ou les Japonais, etc. Enfin, il y a comme ça tout un jeu d'évolution où, en effet, bon, le cinéma passant dans tous les pays du monde, obligatoirement, des cinéastes sont influencés par d'autres cinéastes dans d'autres pays. Et ce jeu-là se produit. Donc, vous avez raison,
En effet, quand on parle de Bresson, on a raison. Vous parlez de Godard, vous avez raison, oui, bien sûr. Et de ce point de vue-là, Fassbinder a toujours dit toute l'admiration qu'il portait à Godard. Et Godard, qui est plutôt siche de compliments pour les autres cinéastes, a quand même toujours considéré Fassbinder comme un des cinéastes clés de la modernité au cinéma. Ce qui est vrai. Donc, c'est pour ça que toutes les personnes qui voient du Fassbinder pour la première fois, allez voir ces films. Ils sont pas tous, parce qu'il a fait tellement de choses, mais la plupart de ces films sont quand même maintenant en DVD. Donc on peut les trouver, quoi, on peut les voir. Lequel ? Oui, mais tous sont très beaux, tous sont très, très, très magnifiques, et puis en plus, il a un sens du cinéma. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que, comme il travaillait très vite, qu'il avait vraiment des idées, il était... c'est de la folie, quoi. Donc, il fallait qu'il tourne vite. Et son style, son écriture... est une écriture fabuleuse parce qu'elle correspond très précisément à ce qu'il veut dire. Donc son écriture porte son sujet et son message, mais en même temps, c'est une écriture, comme elle est très directe, elle permet de tourner très vite. Fassbinder faisait peut-être 2-3 prises en tout et pour tout par prise. C'est-à-dire que la plupart des cinéastes en font entre 20, 30, etc. Lui, ça, il tournait un film en 3 semaines, un mois, même pas, quelquefois 15 jours. Donc il pouvait faire 3-4 films par an, alors qu'un cinéaste fait 2 films tous les 3 ans. Donc c'est pour ça qu'il a une œuvre fabuleuse. Et cette façon de travailler... avec en plus, évidemment, d'autres éléments de ce travail, c'est, puisqu'il était en même temps un homme de théâtre, il avait une troupe. Et vous voyez un film de Fassbinder, tous les acteurs sont interchangeables. C'est-à-dire qu'un jour, un acteur, par exemple ici, le dernier à la fin qui fait le médecin, va avoir le premier rôle dans un autre film. C'est-à-dire que on peut avoir 3 répliques dans un film et être le héros d'un autre film. Alors évidemment, toute son équipe, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il travaille en famille, quoi. Donc, une famille de techniciens et d'artistes. Donc à ce moment-là, il va très vite. Donc... Sa méthode, je ne dirais pas qu'elle se plie à ses ambitions, mais sa méthode impose son écriture, et cette écriture, en même temps, en effet, regarde les choses, regarde le monde et décompose le monde. C'est un travail très intéressant sur le réalisme, car c'est un réalisme vrai, mais par le fou. C'est parce que c'est d'abord faux que ça devient vrai. Si vous prenez le premier plan du film, fait par un autre cinéaste, c'est faux. Même chez lui, c'est faux. Et d'un seul coup, ça devient vrai. Et en effet, aussi, ne serait-ce que la faire rentrer dans ce bar. Elle entend de la musique étrangère, donc de la musique arabe, donc c'est pas pour elle. Donc sa solitude la pousse et d'emblée... Et la façon de filmer, de prendre comme ça en enfilade son entrée et son lorsqu'elle s'assoit, etc., tout à fait au bout de la perspective, elle est totalement étrangère, elle n'a pas entré là, et la façon de la filmer de cette façon-là, c'est direct. Vous avez le sujet qui vous est donné. Et vous rentrez dans le sujet tout de suite. Et évidemment, les contre-champs, c'est-à-dire le champ... sur les hommes qui sont au bar et les femmes qui sont au bar, etc. Donc du groupe qui reste suspendu, ne bouge pas. Alors, donc, créant d'emblée pour nous, spectateurs, cette sensation d'étrangeté
elle n'a rien à faire là. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Et c'est comme ça que ça se construit de façon directe et on ne peut plus simple. Mais efficace, en tout cas. Puisque le sujet est dit et le spectateur, en trois plans, est dans le coup. Ce n'est pas tous les jours que vous avez ça. Hein. Comment ? Ah, c'est percutant. Et quand on regarde Phase militaire, c'est vraiment son génie. Quoi. C'était un cinéaste, en tout cas pour les jeunes cinéastes, c'est un cinéaste clé. On se doit d'avoir vu quand même les films de Phase militaire. Oui, pardon. Attendez. À propos d'efficacité donc de ces images et de ces mouvements de caméra, moi j'ai trouvé que c'était quand même le sujet de... C'était la représentation et précisément les premières images du film, je les ai trouvées très appuyées avec des moments de cadrage en silence. Je trouvais, pour en revenir au mélo, quelque chose d'excessif dans le sens où je me suis dit ça va être une approche naïve et rudimentaire parce que c'était tellement énorme de cadrer de cette manière-là et de tout de suite d'emblée nous faire comprendre qu'il va y avoir une histoire parce que c'est quelque chose d'insolite qu'une telle personne pénètre un tel bar dans la situation qui est quasiment impossible. Tout m'est apparu très théâtral. Et ensuite, j'ai vu des images, comme vous l'avez très bien dit, bien cadrées, mais on avait une sensation d'enfermement. Et que finalement, tous ces personnages étaient bien enfermés et que ça communiquait plus. Bon, on comprend tout de suite. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il va nous raconter après ? Alors après, c'est une narration, c'est une histoire. Mais justement, dans le fait d'être en direct comme ça, moi, je trouve que ça manque de variation, de subtilité. Oui, d'avance, en voyant les épiciers, leur mimique, c'est pour ça que c'est, pour moi, c'est presque du théâtre filmé. On comprend ce qui va se passer. Et ça, je suis moins sûr. Mais enfin, ça, Je trouve que c'est des positions tellement radicales. Vous croyez savoir ce qui va se passer, c'est pas vrai. Je vous jure que je vous prends le film. Moi, ça m'a pas étonné. Point par point, dans son développement, et vous verrez que ce n'est pas vrai. Par exemple, je prends un exemple précis, parce que celui-là est très net. Il y a le moment où ils décident d'aller en vacances. Bon, c'est vrai qu'ils sont dans un café. C'est pas un bar, c'est un café extérieur avec un jardin, etc. Oui. Comme il y en a à Munich, d'ailleurs. Bon, là, on est très Munich. Et il y a les 4 ou 5 personnes du café ou 7 personnes qui les regardent. Bon, bien sûr que c'est faux. Bien sûr que c'est vrai. Puisque qu'est-ce qui est filmé ? Est filmé le faux, c'est-à-dire la représentation. Oui. C'est ce que vous dites. Vous avez très bien compris. Oui. Il faut que vous compreniez tout de suite. Oui. Et c'est compris par le faux. Et à ce moment-là, le faux vous dit le vrai. C'est ça qui est. C'est une chose qui est très complexe à faire comprendre pour l'espèce. Vous voulez dire qu'il a une position juste, que la caméra a une position juste et que Phase militaire a une position juste. Mais ça, c'est d'accord. Je crois qu'ici, tout le monde est d'accord. Ce que je trouve, c'est dans sa rhétorique avec ses images. C'est autre chose. C'est ça que je trouve que c'est vraiment rudimentaire et naïf. Écoutez, moi, on aime ou on n'aime pas Brecht. Moi, j'adore Brecht. Bon. Brecht, c'est ça. Hein. Ben oui, mais on est au cinéma, on n'est pas au théâtre. Vous acceptez la distanciation ou non ? Lui, c'est entièrement fait sur la distanciation. C'est pour ça que c'est très culotté ce qu'il fait. Il vous fait le mélodrame qui normalement devrait être complètement... associatif par rapport à nos santé, à notre affect. Et au contraire, la façon de jouer la distanciation brechtienne fait que ce côté sentimental, si on veut, est totalement réfrigéré. On nous le sort du frigidaire.
Vous voulez dire que les sentiments sont refoulés ? Non, ils sont au contraire pas refoulés, ils sont parfaitement exprimés, mais froidement. Vous n'avez pas... l'émotion que vous pouvez ressentir dans le film, et qui à mon avis est entière, c'est une émotion cérébrale, ce n'est pas une émotion affective comme on l'a souvent, et même très, très souvent, c'est même fait là-dessus, la plupart du temps, dans le mélodrame, soit théâtral, soit cinématographique, soit aussi littéraire, parce que le mélodrame littéraire existe aussi. L'émotion ne se joue pas, par exemple, vous prenez la Dame aux Camélias, par exemple. La Dame aux Camélias, bon, c'est un beau mélodrame, et vous voyez bien qu'une scène de la Dame aux Camélias, ça doit durer un acte entier. Ça monte pendant un acte, etc. Alors là, vous êtes entraîné. Bon, là, pas du tout, c'est froid, froid, froid. Kitsch, kitsch, kitsch. C'est pas fait pour vous plaire. C'est pas fait du tout pour vous plaire. C'est fait pour que vous regardiez et que vous compreniez et que vous compreniez en même temps, malgré tout, si c'est faux sur une volonté de représentation, ça devient vrai sur les sensations. Prenez par exemple la scène du déjeuner du mariage. Bon, ils vont dans une trattoria italienne, donc le restaurant, un restaurant de Hitler. Bon, vous voyez comment c'est filmé ? Entre deux portes. Et d'emblée, il n'y a personne d'autre. D'accord. Et d'emblée, tout est faux. Et c'est d'autant plus faux qu'eux-mêmes sont en porte-à-faux, puisqu'ils n'ont absolument pas l'habitude de ce que c'est qu'un grand restaurant. Donc d'emblée, vous êtes en conforme à la vérité de ce qu'ils vivent, et ce qu'ils vivent, c'est représenté de façon fausse, parce que jamais la caméra n'a à être entre les deux portes, et eux sont derrière les portes, etc. Comment... Oui, mais nous l'a déjà fait avec le début, ça, la symétrie. Ben oui, je m'excuse. Je vous en supplie. Le cadrage, prenez le goût de voir comment une chose est représentée. Attendez, je vais dire ça pour tout le monde. Il y a beaucoup de cinéastes avec qui je serais d'accord par rapport à ce que vous dites. Dans votre façon de dire, mais quand un grand cinéaste vous travaille la forme pour vous dire très précisément, le faux pour vous dire du vrai, et c'est par le faux que je vous fais passer le vrai, il faut l'accepter. Ou alors, bon, à ce moment-là, Je l'accepte, mais moi, je trouve que c'est assez répétitif et que dans ce discours qu'il a, c'est toujours la même chose qu'il nous présente. Oui, voilà, mais moi, je m'excuse, c'est répétitif, mais les morceaux, les uns après les autres, donc les cubes de bouillon qui vous présentent du racisme, eux ne sont pas répétitifs du tout. Malheureusement, la découpe du racisme, morceau par morceau, ce n'est pas répétitif, malheureusement. Ce qui est répétitif, c'est le racisme en soi. Mais la façon dont le racisme est pratiqué, je m'excuse, c'est extrêmement intéressant de le voir découpé et de le voir très précisément représenté tel qu'il se déroule et tel qu'il existe dans la vie. Même si, bien sûr, c'est fait de façon très directe, très simple, très concrète. Oui, c'est sûr. Moi, j'adore ça. Oui, Madame Danfond, pardon. Attendez une seconde, allez-y. Merci. Je vais dire quelque chose qui est certainement sujet à critique. Moi, je vois ce film pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, oui. C'est bien ça. Oui, je l'avais vu à la télévision. Il est passé, je ne sais pas, il y a un an ou deux, quelque chose comme ça. Et ce qui me frappe davantage encore cette fois-ci, c'est un petit peu comme un opéra pour moi. C'est comme un opéra sans chant, avec des groupes isolés, les enfants, le monde du travail, le public. Ce que je rappelle les morceaux de cube. Voilà, et comme sur une scène, autrement dit, une scène, une grande scène, et avec des petits groupes ici et là, et avec des projecteurs de lumière sombre ou je ne sais quoi, qui justement, comme vous le disiez tout à l'heure, font apparaître la vie, la vraie, les sentiments, ceux qui se donnent
qui se donnent à voir, mais des sentiments louables, enfin, des sentiments de fraternité, de l'humain. Et tout le reste me paraît comme très figé. Alors, on parle beaucoup actuellement de l'exposition du peintre Hopper, hein, et je trouve que ce bar-là, il s'inscrit assez bien dans cette vision très froide, avec ses couleurs également assez sombres, et avec ces personnages qui sont, comme par exemple cette femme que je trouve absolument remarquable, cette femme qui tient le bar, cette blonde aux yeux cernés à un point, et qui a un visage presque comme un masque. Comme un masque. Et vraiment, tout ça, moi, regardez, c'est le groupe de personnes qui les voient au milieu de ce restaurant en plein air, ils sont absolument, absolument statiques. Il n'y a rien qui bouge. Pour moi, c'est comme une toile de fond. Voilà. Et dans cette toile de fond, eh bien, il y a des groupes qui s'animent de temps en temps. Voilà. Alors, il y a donc les femmes dans les femmes de ménage, il y a les femmes dans l'escalier, oui. Etc., etc. Moi, je vois ça comme ça. Mais en même temps, ce qui est aussi très intéressant, nous sommes dans un film allemand. Oui. Nous ne sommes pas dans un film italien. Mm-hmm. L'italien, vous avez la chaleur. Là, Fassbinder, vous travaillez le froid allemand. C'est-à-dire le malaise que l'on a dans une société allemande où tout est tellement parfaitement dans l'ordre. Tout fonctionne tellement par rapport à l'ordre des choses, à l'ordre des idées, à l'ordre de la place que l'on occupe, etc., que le malaise est d'emblée donné. On est Et d'où, quand je vous dis, il travaille la laideur Bosch, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde de représentation qui est, je ne dirais pas qu'il est déplaisant, mais dont on sent la difficulté à vivre dans ce monde-là. C'est-à-dire que, on vous interdit le rapport chaleureux, quoi. Et ce qui est très beau, qui devient très très beau, c'est que dans le couple, à la fin, c'est ce qui va se révéler, la difficulté d'atteindre le rapport chaleureux. Mais le maître mot à la fin, c'est quand même tu feras ce que tu voudras, tu es libre. Tu crois, tu ? C'est tu es libre, tu seras oui, libre. Oui, c'est ça, tu es libre. Et bien. C'est un amour libère. C'est l'acceptation de l'autre. Oui. Moi, je trouve admirable chez Fassbinder, c'est qu'il est un de, quand même, ils sont pas très nombreux les cinéastes qui disent l'autre d'abord. Mm-hmm. Et moi-même, je suis un autre. Combien de cinéastes ou d'auteurs disent l'autre, je suis d'abord l'autre, et je ne suis pas moi. Moi, d'accord, mais l'autre en moi, et donc me regarder comme un autre et non pas comme moi. Et c'est pour ça que finalement le nazisme, bon, on comprend, on comprend que c'était une obsession. C'est bien pour ça. Hein, pour lui. Mais au-delà du nazisme, c'est en fait. Le problème du nazisme, c'est d'avoir supprimé l'autre. C'est l'autre. À tout niveau. À commencer par le peuple allemand, il n'était qu'un. Mmh. Il y avait Heil, c'est tout. Mmh. Heil. On était Heil. Quoi finalement. Ouais. Et d'avoir supprimé radicalement l'autre, non seulement. Les juifs, les homosexuels, les handicapés, enfin les malades mentaux et tout le reste, les roms, enfin, l'autre, celui qui est l'autre, donc celui-là n'a pas le droit d'exister. Rien n'est pire que le un, s'il n'est que un. Si le un n'accepte pas le deux, n'accepte pas l'autre, c'est le 1 qui se détruit lui-même. Bon, ça, c'est une chose, c'est un truc de philosophie, mais c'est quand même une vérité aussi. Et c'est quand même bien de rappeler. Oui, alors attendez, une petite seconde, je m'excuse, on fait courir. C'est bien d'une salle de gymnastique, hein. C'est bien.
en plus du racisme, il a choisi quand même une femme qui a, il y a un décalage d'âge. Oui, non, ça joue beaucoup, bien sûr. Mais ça joue encore plus, ça pue vraiment le côté un peu dérangeant, en fait, et provocation, quoi. Non, mais je veux dire qu'un autre racisme, qui est celui de la représentation de la beauté de la femme. Donc, la femme doit être jeune, l'homme doit être, etc. Là aussi, ça se joue. Enfin, la femme est âgée, est vieille, bon, par rapport, etc. Absolument pas travailler sur l'idée d'un attrait physique, quoique l'homme peut avoir cet attrait physique. Et en même temps, il ne peut pas l'avoir, parce qu'il est justement étranger. Donc, il ne peut pas. Enfin, c'est quand même très fort, parce que bon, il aurait pu prendre un autre acteur, il aurait pu prendre... non, il choisit exprès cet acteur qui a à la fois une vraie beauté virile, et en même temps quelque chose qui n'est pas attractif, donc c'est complexe. Et elle, pareil, ce sont des choix. Et les enfants, je trouve admirable la scène de l'annonce du mariage aux enfants, ça, c'est une scène. Et voilà une scène qui est en effet très conventionnelle, mais qui devient d'une vérité. Si on suppose cette situation, que cette situation se produise, la réaction des enfants est absolument évidente. Évidente. Et en plus, l'idée... justement, en plus, l'idée très allemande de saleté, qui n'est pas... Vous n'auriez pas ça en Italie, par exemple. Vous n'auriez pas la notion de saleté en Italie. Alors qu'en Allemagne... Et comme elle dit, il prend sa douche tous les jours. Alors là... Et en France, vous pensez que... Enfin... Non, mais ça, on n'est pas... en France, on ne sait pas. On est... Mais de toute façon, ça n'a pas été traité en France. Non, en France, il y en a un qui admirait beaucoup Fassbinder, et Fassbinder aussi était très intéressé par lui, c'était Chabrol. Et Chabrol fait partie justement des très rares cinéastes français qui filment le mauvais goût français. Mm-hmm. Hitchcock, quand il est en Angleterre, filme le mauvais goût british. Non, le mauvais goût anglais. C'est très intéressant de voir les cinéastes qui filment le mauvais goût de leur pays. Ce qu'on ne fait pas souvent, la plupart du temps, on filme le bon goût. Enfin, le bon goût, c'est quand ça se discute. Donc, c'est autre chose. Bon, ben, je crois qu'on va peut-être s'arrêter cette fois-ci. Alors, la fin prochaine, ce sera quand même un peu plus léger, puisque c'est une comédie de Howard Hawks avec... deux acteurs de toute première qualité, Cary Grant et Ginger Rogers. C'est pas ce que je raconte. Attends, c'est quelle fille déjà ? L'impossible Monsieur Bébé. Ah non, Catherine Hepburn. Alors, on est dans le grand jeu d'acteurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très belle, très jolie comédie de 36. Voilà. Bon. Donc, bonne fête et le mois prochain.